Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un colis qui est arrivé. Donc, c'est arrivé par la poste. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par aucune marque. C'est moi qui ai acheté ces produits avec mes petits sous de mon travail. Donc voilà. Donc, j'ai commandé 2-3 trucs. Alors, j'ai commandé, tu vois, un relève-plaque. Donc, c'est quelque chose que tu viens placer sur les plaques et ça t'aide à les porter et à manipuler tes plaques sur le chantier. Une petite règle comme ça de chez Enma. Donc tu poses la règle sur ta plaque et après tu vois il y a des petits trous ici que tu viens mettre ton cutter pour pouvoir couper ta plaque. Donc on testera ça sur le chantier. J'ai aussi un petit cale-plaque de chez Enma pareil. Donc tu vois tu viens caler tes plaques, porte, plaque et tu viens couper ta plaque ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors un petit rouleau pour rouleau à enduire. Je me dis ça peut être pas mal pour coller les bandes ou enduire les bandes à tester quoi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oh! Alors, comme tu as dû voir dans une autre vidéo que je peux te mettre par là, j'ai l'encolleuse Banjo. Mais des fois c'est un peu galère quand tu as que des petits bouts de bandes ou je voulais tester les bandes armées aussi peut-être. Donc j'ai pris un bac comme ça pour encoller. Un petit cutter de chez Enma. Le petit rouleau pour écraser les bandes après avoir collé avec le banjo ou ici l'encolleuse. Un petit platoir, une petite clisseuse comme ça de chez Thalia Plast. Donc j'en ai déjà une de chez Parfelis. Mais en fait j'ai trouvé ça pas mal. Celle-là en fait on peut changer les lames. Donc tu peux je crois que tu peux l'ouvrir et tu peux changer les lames. Donc c'est pas mal à tester. Et attention, la petite paire de chasse que je vais essayer tout de suite. Ah, c'est tout neuf, hein. Donc les échasses, donc tu vois tout ça vient de chez Chronobat, hein, c'est un site internet. Les échasses, échasses de plaquistes, bon voilà la marque. Hein, après moi j'ai pas de, on me donne rien pour dire que c'est la marque. Juste le site Chronobat, qui est pour moi un super site avec plein de bons produits. Donc tu vois hein, Chronobat. Je redis encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée à aucun moment, c'est moi qui ai acheté les produits. Donc voilà, je te fais juste de la pub pour un site qui est sympa. Franchement, j'ai commandé ça avant-hier, c'est arrivé en 2 jours. Super bien emballé, super vite. Donc ils font des produits, Edma, Stanley, tu vois, toutes les bonnes marques de pro pour faire du putain de boulot de ouf. Eh, je suis assez content, hein. Hein? Donc voilà, c'est cool. Allez, je te fais montrer les échasses. Donc ça y est, j'ai monté les échasses, on va les essayer. On va se marrer un peu. Alors, c'est parti. Bon bah écoute, faut prendre le coup, hein. Faut vraiment prendre le coup des échasses, hein. Parce que bon, c'est pas. Non, ça va, ça va. 5 minutes, c'est bon. Thank you.
Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à tester sur le chantier avec les bandes et tout, l'enduit dans les mains, le monde et tout. Hein. Bon bah voilà, bah écoute, c'était une petite vidéo rapide pour te montrer tout ce que je vais te présenter un petit peu dans les futures vidéos. Voilà, bon allez, à plus, regarde la pêche.